Hey! Alex, salut, comment ça va? Ça va, Jeff, toi? Ah, super, super. Hey, je pensais à quelque chose de drôle. Ça serait drôle si on mourait les deux pendant l'émission. Qu'est-ce qui est drôle là-dedans? Hey, mais t'imagines-tu comment V serait dans la marde? Il perdrait le king de la station puis le prince en même temps. Ben ouais, V serait dans la marde, mais qu'est-ce qui est drôle à mettre quelqu'un dans la marde? Hey, je pense que tu tripperas pas sur le concept de mon émission, toi, hein? Hey! Dans mon garage double. Ici, tout est double. Hein? J'ai deux motos, deux sofas, deux mentons. Voyons donc, c'est pas parce que c'est écrit que je suis obligé de le dire. Hey, non, sérieusement, j'ai tout un show pour vous à soir. J'ai Nelson Harvey. J'ai aussi mon nobody Guillaume Wagner qui s'en vient vous présenter son sitcom. Puis j'ai Alexandre Barrette. Mais avant de passer à mes invités, j'aimerais vous parler d'un segment que j'aime tellement. Mercier passe au bac. Aujourd'hui, mes deux nouvelles parlent d'animaux. J'aimerais tout d'abord lever mon bat, OK, aux autorités de Hartlepool, ça c'est une ville dans le nord de l'Angleterre, qui ont donné 9 semaines de prison à un gars qui a fait exploser son hamster dans le four micro-ondes. Ben, en fait, l'hamster, il a pas explosé, il a cuit, là. Le gars, il était à sa brosse, il s'en souvient même pas. Une autre preuve que les Anglais savent pas boire. Mon autre nouvelle, OK, c'est que j'aimerais donner un coup de bat, OK, au président de la Russie, Vladimir Poutine, qui est allé à la chasse à la baleine. Ben oui, Vladimir Poutine, durant ses vacances, qui s'en va à la chasse à baleine. Puis quand je dis à la chasse à baleine, là, c'est la vraie chasse à baleine. Là. Il est pas allé cruiser aux Lovers de Brossard. Non, non, non. Il s'en est même vanté. Il a dit que ça y avait donné un rush d'adrénaline sans précédent. Écoute, il reste à peu près 2 baleines dans l'océan, puis l'autre colon, il s'en va se vanter d'en avoir tué. Tu sais, c'est quoi tes prochaines vacances, là? Tu vas aller à la chasse au panda avec un bazooka dans un zoo? Mais n'empêche que c'est bizarre quand même que le gars se vante d'aller à chasse à baleine, puis il n'y a pas personne qui capote, puis qu'il y a un gars qui pogne 9 semaines de prison pour avoir mis son hamster dans le four micro-ondes. Pendant que vous réfléchissez à qu'est-ce qui est ironique là-dedans, je vais vous présenter mon invité, Alexandre Barrette! Hey, hey! Alex, mon beau Alex, viens me rejoindre, viens me rejoindre. Ça va, John? Écoute, merci bien gros d'être là. Merci bien gros d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi de m'inviter. On peut prendre une petite bière, oui, si t'as le goût. Fait que je veux que tu te mettes à l'aise parce que tu vas te faire rentrer dedans, tu connais... Oui. Mais ça ne doit pas te déranger que je t'insulte sur qu'est-ce que tu fais parce que tu es habitué, tu travailles avec François Morancy. François, ouais, c'est quoi? Qui est dans Midi Morancy? Ouais. Oui, d'ailleurs, c'est super le fun. Ouais. Oui? Ah oui? C'est super le fun? Je sais pas si tu voulais que j'aille là-dedans, mais non. Mais sérieusement, tu dois quand même avoir hâte de plus avoir le temps de faire ça, là. Honnêtement, Midi Morancy, j'adore ça. Ça fait, c'est la 4e année que je fais ça, puis j'ai carte blanche. Non, mais pour de vrai, j'aime vraiment ça. J'ai carte blanche depuis 4 ans. Je fais des chroniques, je parle de les sujets que je veux, n'importe quoi, puis j'ai une belle ouverture de la part de François. Carte blanche, là, ça, c'est un terme poli pour dire « laisser à soi-même ». Non, mais j'ai appris que tu étais hypochondriaque. Oui. C'est-tu pour ça que tu fais plus de tournée, parce que tu as peur de ce que tu pourrais attraper avec les groupies? Un peu, j'ai peur aussi de ça, effectivement. Mais je fais encore de la tournée un peu, je fais les bars, mais je me protège toujours, fait que ça va bien. Fait que t'as une vie sexuelle, finalement. À l'occasion, ça m'arrive. OK. Moi, écoute, j'ai pas beaucoup de choses intéressantes à te demander parce que mes recherchistes m'ont dit que t'étais plate en entrevue. Mais... Elle est où, la fille? J'étais plate en tabarouette. Fait, non, mais j'ai quand même trouvé... une entrevue que tu as donnée il y a 3 ans pour le très populaire site internet bottom.biz. Tu dis que tu n'es pas trop soucieux de ton image. C'est-tu vrai, ça? J'ai dit ça en entrevue? Oui. C'est faux, d'abord. Oui, c'est faux. J'ai menti. Parce que, je veux dire, j'ai menti. Si tu avais une image encore plus léchée que tu as présentement, je pense que ça te prendrait un vagin, là. Mais honnêtement, une conversation que j'ai déjà eue avec toi hors d'onde puis que je trouvais intéressant. Exemple, pas qu'ici, c'est pas intéressant, loin de là, non. Mais je me rappelle, quelqu'un qui achète Jean-François Mercier en show,
écoute, toi, t'as comme carte blanche parce qu'on sait t'es qui, puis c'est le client qui est un peu tata. S'il t'engage en show puis qu'il est offusqué, que tu sacs ou que t'as un numéro un petit peu plus salé, tout ça, moi, je réalise que faut croire qu'à date, je projette une image plutôt clean. Fait que quand je t'engageais en show corporatif ou tout ça, je réalise que j'ai pas trop le droit à l'erreur. Et c'est vrai que je me suis créé une image, pas volontairement, mais j'suis un gars, je suis le bon petit gars, là. Je suis pas le gars que les filles trippent dessus. Je suis le gars que les mères des filles verraient comme gendre. C'est pas le fun en passant à dire ça. Mais c'est ça. J'ai une image de gars assez clean. Fait qu'effectivement, je suis pas loin d'avoir un vagin, comme tu dis. Ah, ben, vous voyez. Ça, je sais que ça va être la cote qui va te garder dans la promo du show. Non, mais vous voyez, on l'a appris un gars le soir. Ah, on pense que les humoristes, ensemble, on parle juste de cul. Non. Vous voyez les conversations qu'on a ensemble. Tu dis qu'une de tes faiblesses, c'est ton accent de Québec. Ouais. Tu considères ça comme une faiblesse? Ben, je sais pas si c'est une faiblesse. C'est pas une faiblesse, ça, Alex. Venir de Québec, c'est un handicap. Fait qu'Alex, tu restes avec nous. Après la pause, j'ai mon ami Nelson Harvey qui s'en vient nous montrer des concepts. Puis il y a Guillaume Wagner qui va nous présenter un sitcom. Fait que restez là, ça va être extraordinaire. En fait, je voudrais présenter un pilote, un extrait d'un pilote, puis tu vas aimer ça, Alex, parce que je sais que tu es un joueur de tennis. Tu sais, des fois, tu te demandes où c'est qu'il s'en va avec ça. Ouais. Jamais nulle part. Jamais nulle part. C'est ça. Ouais. Fait que tu Ben, tu sais, les gars, je pensais à ça, c'est quand même cool. On est en nombre, c'est une base quotidienne à vie. C'est quand même pas rien, ça. Ben, fais-le, toi. Nous autres, on se fait reconnaître dans la rue, là. Ben, toi, fais-le, on me reconnaît dans la rue. Hein. Voyons, Danny, il y a personne qui te reconnaît. Nelson. Excuse-moi, Nelson. Ouais, il y a du monde qui me reconnaît, gars. J'ai plein de crachats sur moi. Hey, de retour à Un gars le soir, toujours avec le petit gars parfait, Alex Barrette. Ben, je dis ça parfait. Parfait parce que le monde le sait pas que t'es dans une secte. Ah non, je suis dans aucune secte, là, Jeff. Non? T'es pas en gérance avec Juste pour rire? Hey! Bien, histoire de changer de sujet, on accueille maintenant mon chroniqueur, que je sais pas trop à quoi qui sert sur l'émission, le roi du malaise, Nelson Harvey! Hey, salut mon gros blaireau, ça va bien? Bien sûr, blaireau, ça va bien, tiens. Ben écoutez, je veux profiter de... Salut Nelson. Ça va bien, Alex? Ça va toi? Excuse-moi. Personne ça va bien, passer des belles fêtes? Non, écoute, je suis comme ignoré. Non, je le sais, mais c'est parce que quand on a un grizzly là en face, hein, je sais pas pourquoi, on est comme fixé là-dessus. Arrange-toi, blaireau ou grizzly? Ouais, c'est des mammifères de mauvaise humeur, anyway. OK. Tu sais que... Je vois que t'as amené ta famille avec toi. Ouais, c'est ça. Ben, c'est un programme d'accès à l'égalité aussi. Ouais. Là. Je les ai sortis de leur cage un matin. Tu sais que je dépose plein de concepts sur des réseaux, puis c'est cool, je vais profiter de la présence d'Alex aussi, parce que là, j'ai encore une fois juste des essuyer refus. Des refus. Ben je les ai vraiment essuyés. Et puis, en fait, ben, premier refus, c'est un projet que j'ai déposé à Canal Vie, qui combine, en fait, les trucs beauté et la rénovation. Ça a pour titre « Rénove ton cul ». Et puis, ben, j'aurais aimé ça faire le pilote avec toi. Je sais pas si c'est quelque chose qui peut t'intéresser. Hein. Oui. Est-ce que je vais avoir de la difficulté à m'asseoir si je fais le pilote? Non, mais il va falloir que tu mettes un chandail bleu moulant bleu poudre. Comme Saskia. OK, oui. On va te graisser comme il faut. J'ai également déposé un projet de sitcom aussi à V. Ça peut peut-être t'intéresser, ça. Oui. Ben, ça m'aidera, en fait, si vous vouliez jouer dedans. Peut-être. Ça s'appelle Bout de Chris. Bon, là, c'est encore en stand-by. Et c'est confirmé. Il y a Michel Côté, Claude Legault, Roy Dupuis, Guillaume Lemaitre-Thivierge, Rémi Girard. C'est confirmé. Ils ne participeront pas au projet. Ah, OK, oui. Et je suis en attente d'une réponse de Lino Clavet et de Tony Conte. Okay. Et en fait, je voudrais présenter un pilote, un extrait d'un pilote, puis tu vas aimer ça, Alex, parce que je sais que tu es un joueur de tennis. Tu sais, des fois, tu te demandes où c'est qu'il s'en va avec ça. Ouais. Jamais nulle part. Jamais nulle part. C'est ça. Ouais. Fait que je suis content, Alex est là parce que c'est un maniaque de tennis, puis ça veut dire que tu es un joueur redoutable aussi. Redoutable, on dit ça de moi, on me redoute. Tu es une des fines raquettes de la métropole, et là, je parle pas de ce qu'il y a dans tes culottes. C'est un concept qui mélange ma passion des fromages et le tennis. Ça a pour titre Balle de Brie. On en écoute un extrait. Balle de Brie. Jeu, set, match, killer. Alors, pour ceux qui sont intéressés au concept, ben, ils peuvent contacter mon agent. Il travaille chez Rona présentement.
Ah, mais je suis quand même surpris. Quoique j'ai des concepts qui sont refusés. Non, que t'ailles quelqu'un qui a accepté d'être ton agent. C'était le punchline. En tout cas, ben, merci Nelson. Mais la prochaine fois, j'aimerais ça que t'arrêtes de chercher des concepts, OK? Puis que t'en trouves un bon pour venir le présenter. Ouais, mais là, j'ai quelqu'un qui s'en vient en entrevue. Nomme-moi quelqu'un big que t'aimerais avoir à ton show. Là. Céline Dion. Ah non, c'est pas elle. Ah, un autre Jean Charest. Non. OK. Ben, tu vas voir la semaine prochaine. Bon, Alex, oui. Comme que je te disais tantôt, toi, tu animes l'émission de taxi, là, ben pas celle qui est drôle, là, l'autre. Là. Hein? Puis, tu n'as sûrement jamais écouté un gars le soir parce que tu es toujours trop occupé à animer des quiz insipides. Mais sur notre show, nous autres, ce qu'on fait, c'est qu'on prend la personne puis on parodie des choses qu'elle fait, OK? c'est génial. Comme jamais vu. Fait que, tu devines où ce que je m'en vais avec ça? Un petit peu, on oui. s'en va voir taxi gratuit. Deux clients! Bonjour! Vous tentez-tu de jouer à taxi gratuit? Ben oui! On va jouer! Fait que c'est quoi vos noms? Virginie Ouellette. Virginie Ouellette? Moi, c'est Louis. Louis Morissette. Comme le Louis Morissette? Comme le truc cul qui s'est pas présenté à mon émission. À chaque mauvaise réponse, ça vous donne un X. Après 3X, je vous débarque sur le taxi. Ça vous tente-tu de jouer? Non, ça m'intéresse pas partout. Non, je pense que t'as mal compris. Là. Ça te tente-tu de jouer? Non. Ça te tente-tu de jouer? Non, ça me tente pas partout. Bon, regarde, trois mauvaises réponses. Ah ouais, je sais que ton cas de mon taxi. Pas de temps à perdre. Tu trouves pas ça dangereux, Fred Dupousse? C'est ça que j'aime. Vous savez, dangereusement. C'était quoi le vrai nom du bossu de Notre-Dame? Bossu. Jean. Tu peux y penser, là, au lieu de dire des niaiseries, là. Arnold Schwarzenegger, non? Oh, un premier X. On n'a pas fait une lumière encore qui a déjà des X. Quasimodo. Quelle est la capitale du Wyoming? Les silences en TV, c'est pas si payant que ça. Un indice? Chaud. Tu sais, quand t'as ce sac-là, là, puis quand t'as demandé une grosse pension alimentaire, tu la traites de? Chalut. Cheyenne. Parce qu'il est piéton, il a la priorité, il le casse dans le système solaire. Qu'est-ce qu'on trouve entre Mars et Jupiter? Barrière d'astéroïdes. Combien mesure le pénis de Jean-François Mercier? Toi, tu penses-tu que j'ai un beau pénis? C'est une vraie bonne question, ça? Ouais, c'est une question, j'attends la réponse. 11 pouces! Hein? C'est impressionnant, hein? Ouais. Non, je comprends que tu sois sceptique, là. Va te le montrer, toi. Anyway, les portes sont barrées, là. Hey, il fait chaud, hein, ton taxi, hein? Alors, j'ai mis l'air climatisé. Ça te dérange pas, qu'est-ce que tu fais, là? Ah, je sens enlever un peu mon. Juste me mettre un peu à l'aise, comme ça. C'est-tu correct? Vous autres, vous cherchez un restaurant, vous avez faim, hein? Oui. Vous connaissez l'adage qui t'ordine? T'es pas chaud, toi, G? Non, je pas chaud. Tu promets que je t'appelle G? Non, c'est... Non, arrête de me toucher. Peut-être qu'on pourrait faire un genre de... De trip à trois. Ben moi j'ai pas faim. Celle-là, là, si tu l'as, là, je te suce le bal. Le nom de la cité aztèque, située près de Mexico City. Tu vas vraiment me sucer le bal. Oui. Oui. Tu l'auras pas. Théo Tihuacan. Non, tu l'as pas eu. C'est ça la réponse? Non. Théo Tihuacan? Non. C'est quoi la réponse? Théo Tipacan. Tu veux pas me sucer le bat? T'as pas eu la bonne réponse? C'est Théo Tihuacan. T'as pas eu la bonne réponse? Ben, j'allais la bonne réponse. Mais non, tu t'es trompé, tu l'as mal prononcé. J'ai plus faim, ça veut dire comme non. Troisième mauvaise réponse. Fait que ça débarque de mon taxi. Pas de temps à perdre, là. Ah ouais. Ciao. C'est ça. Ciao. C'est ça. Agace. Hein? Tu vois, Hervé, ça, c'est un bon concept d'émission qui marche. 39 heures de tournage pour 2 minutes. Bon, mais là, t'as même pas donné de cash au monde, d'argent. Mais non, ça s'appelle pas taxi payant, ça s'appelle taxi gratuit. Bon, j'espère que t'as donné la ride de taxi gratis, au moins. Non, qu'est-ce qui était gratis? C'était les insultes que je faisais au monde. Non, je me suis fait 122$ dans ma journée. Gros crosseur. Revenez-nous après la pause, mon nobody, Guillaume Wagner, OK? Puis une autre parodie d'un quiz animé par Alexandre. Vous allez voir, on va se bidonner. Ça va... Revenez-moi tout de suite.
Bonsoir, bienvenue à Atom Crochy. Merci de nous accueillir chez vous, dans votre maison. Nous sommes très heureux d'être avec vous ce soir, avec vous. Hey, Alex, quand tu dis que t'es hypochondriaque, là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça, oui. Ah, mais ça veut juste dire que j'ai peur des maladies, là, pis tout. Ah, OK, c'est pas parce que tu baises avec des chevaux, là. Baiser? Wesh! Là, Alex, on est rendu à la section Nobody de mon émission. Et là, je reçois un de mes Nobody préférés parce que, moi, ça me remonte le moral d'être avec des gens amers et malheureux. Guillaume Wagner! Salut, Jeff! Salut, mon beau Guillaume! Ça va, ça va? Ben ouais, la grosse vie! Écoute, cette semaine, je t'insulterai pas. À chaque semaine, je viens, je te traite de gros épais, tu me traites de nobody, pas de talent. Puis je dis, on se parle pas de même dans la vie, toi. Puis moi, pourquoi qu'on se parle de même en nombre? Ben, c'est vrai, c'est vrai. Ben oui, écoute, pourquoi qu'on se parle pas comme on se parle habituellement? Comment ça va, toi? Ta blonde? Ah, ça va bien, j'ai rencontré ses parents. Okay. Ça a cliqué, puis tout, c'est le fun. Hey, toi, t'es deux petits chiens. Ah, écoute, deux amours. T'es allé au parc l'autre fois, mais là, jouer au frisbee avec Roxy, on a perdu le frisbee. Elle va te dire, elle est revenue avec un boss. J'attends tabarnak, c'est ce qu'on dit normalement, ça. Oui, c'est vrai. Mais peut-être que si on disait, c'est qui ta blonde? Vous savez que Guillaume sort avec Kim Lisotte? On ça, peut tu vois, dire déjà, ça, on peut tu sais, déjà, c'est plus intéressant. C'est plus intéressant. Ben, écoute, ah ouais, non. Non, j'irai pas dans les détails, par okay, exemple. Parfait. Mais vous le saurez que... Non. Fait que c'est ça. Écoute, on va y avoir le sitcom, qui est un sitcom assez louche. Hein? Genre, on l'a tourné, toi puis moi, puis Jeff a pas aimé ça. Fait que on va aller voir un nouveau sitcom à V, c'est la bande-annonce. On va voir ça maintenant. Nouveauté cette saison à B, un sitcom comme vous les aimez. Entrez. C'est vidéo. Oh my god, je t'attendais pas tout tôt, j'ai même pas eu le temps de mettre ma crème de jour. Regarde, on m'attend à mettre moi de la crème dans la face. Des promesses, des promesses. Un sitcom qui fait baisser le QI de la population avec ses quiproquos sexuels. Allô mon loup. Coudon, t'as-tu de la misère à attacher tes lacets? Ouais, moi, je suis plus habitué de défaire des nœuds. Ça, c'est vrai. Mais là, achète-toi des souliers, pas de lacets. Ouais, mais moi, j'aime mieux péter des scènes que de les dépenser. Oh oui. Cet automne, écoutez ce sitcom tellement remâché que c'est du manger mou pour les petits vieux pis les matantes. Avec de l'humour physique. Voyons. Ah! Je sais pas si t'es bon comédien, mais moi, je commence à rentrer dans ton personnage. Des personnages subtils, tout en finesse. Mon loup, je trouve plus mes clés. Je sais que t'es amis la dernière fois. Ah ben oui, Gadon, ce son-là. C'est pour ça que je t'aime. Cet automne, dilatez-vous la rate avec cette comédie remplie de rire en canne parce que nous, on juge que vous êtes trop cave pour savoir quand rire. Tu penses-tu que tu as des plaintes avec ça? Mais t'es-tu malade? M'envoie le village gay sur le dos au grand complet? Hey, quand tu ris d'un groupe, là, prends des groupes faibles qui sont pas capables de se défendre, je sais pas, comme les Indiens, les BS, des affaires de même. Ah non, c'est vrai, t'as raison, mais en même temps, t'sais, y a pas de gays qui écoutent ton émission, là, t'sais, des gays BS, ça existe pas, là. Moi, j'ai jamais vu de sauna dans Hochelaga, là. Quoi, je me suis déjà fait offrir une pipe dans Hochelaga, mais je pense pas que ça a peur qu'il était gay, juste en manque de crack, je pense, le gars. Mais en tout cas, anyway. Allez, faire job. Ah, c'est nobody à merde. Bon, Alex, tu sais, moi, la chose qui me fait le plus rire, OK, c'est les parodies, OK? Moi, rire, là, avec les idées des autres, ça me fait capoter, OK? Et peut-être que tu ne sais pas, mais nous autres, à notre émission, on prend toujours la personne, l'invité, puis on parodie une affaire qui fait, OK? Ça, c'est vraiment génial. OK? Fait que là, on va jouer à Atom Crochy. Fait que le temps qu'on s'installe, là, on repasse en rafale les meilleurs moments de l'émission. Ça va? Oh, ben, ça, tu vois, c'est tout. Hey. Ça... Ouais, des petites longueurs, mais un bon show quand même. Fait que Guillaume, c'est lui qui va animer ça, OK? Fait que oublie pas de sourire puis de faire ton bon garçon. Ben, c'est mon gars. Bonsoir, bienvenue à Atom Crochy. Merci de nous accueillir chez vous, dans votre maison. Nous sommes très heureux d'être avec vous ce soir, avec vous. On vous aime et vous êtes là. C'est notre show Atom Crochy. Donc... Ah oui, là, les règlements. C'était trop, OK. Bon.
Donc, c'est très simple, les règlements. Jean-François a déjà écrit ses réponses et toi, Alex, tu devras compléter la phrase et moi, je vais animer d'autres shows à V et devenir riche, en tout cas, plus riche que Billy Tellier. Donc, première phrase, si je rencontrais Michaël Jean, je lui rentrerais un gros... Qu'est-ce que tu crois que Jean-François a répondu? C'est tort, celle-là, c'est chiant, ça. Vas-y, vas-y. Une banane dans l'oreille. Jean-François? Beigne dans la bouche. Ah, beigne dans la bouche. C'était une facile pourtant. Donc, le moins intéressant d'une, c'est l'odeur et les démangeaisons. Vas-y dans le grivois, mon cochon. Une moufette. Non, c'était une pomme-grenade, malheureusement. Pomme-grenade, évidemment. Ensuite, Steve... J'ai comme l'impression que vous voulez me faire aller sur un terrain particulier. C'est ce qu'on essaye, c'est ce qu'on essaye. T'embarques pas, embarque! Steve baisse son pantalon et attend que sa copine lui fasse une... Une brassée de bobettes. GF? Non, c'était une collation. Mais voilà, collation. Une collation. Alexandre n'est plus capable d'endurer... Guillaume Wagner. C'était la célébrité, donc et exactement voilà. L'inverse. Eh oui, eh oui! Hey, merci Alexandre Barret d'avoir participé à l'émission. Jean-François, alors musique, on inviterait tout le monde à nous rejoindre sur le plateau. Faire semblant qu'on a du plaisir à cette émission fantastique. Merci, merci. Excellent. OK, c'est bon, ça va faire, là. Ça va faire, la musique. Arrête ça. Non. Tâche pour toi. Bon. Merci à Alexandre Barrette de montrer à quel point qu'il était pas game de nous donner des réponses comiques. J'espère que son public va le lâcher et ça va me permettre de faire les meilleurs codes d'écoute de la station et de redevenir le vrai king de V. Merci aussi à mon nobody, Guillaume Wagner. Merci, Guillaume, d'avoir été là. Merci à Nelson Harvey. Et revenez-nous demain parce que je reçois le millionnaire le plus malpropre du Québec. François Avard! La pensée du jour. Quelquefois, la plume est plus forte que l'épée. Sauf que si quelqu'un te sort un couteau, t'es mieux d'avoir un crisse de gros stylo. Et voyons, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire, Jeff, que des fois, les mots font plus de dommages que de la violence physique. C'est comme de la poésie. Oh! C'est pour ça que je me tapais ses nerfs en le disant « Hey, on va-tu aux danseuses? » Oh, moi ça, là, je trouve que c'est dégradant un peu pour la femme. Wow! T'es comme de la poésie.